Salut les métalleux, une nouvelle vidéo sur YEP concernant le traçage. Mais avant de commencer à faire le traçage, je voulais quand même vous parler d'un bouquin qu'on m'a offert gracieusement. Hein. Donc voilà, c'est le bouquin Les épures en génie climatique. Hein. Donc c'est tout ce qui est développé de piquage en acier. Donc voilà, c'est Nicolas Henry qui a écrit ce bouquin, qui est quand même très intéressant, car on va y voir toutes sortes de piquages, hein, comme les piquages droits, piquages orientés, piquages tangentiels. Donc voilà, on voit que c'est un jeune, hein, et que voilà, il est passionné de son métier. Donc voilà, il a fait son bouquin de traçage, hein, donc ça concerne beaucoup les piquages, hein, d'ailleurs que les piquages, hein, disait piquage déporté aussi, piquage sabot, piquage pied de biche, piquage orienté, piquage droit sur coude. Donc en fait c'est bien fait, il y a de belles photos, il explique bien comment dessiner et faire ses gabarits. Franchement c'est bien fait, c'est clair, c'est pas surchargé. Ce qui est un peu étonnant, vous verrez si vous voyez son bouquin, c'est que bon, comme c'est prévu pour le chauffage, bon, ben les diamètres indiqués sont vraiment petits. Pour nous, ça a été fait pour le chauffage, hein, c'est beaucoup de diamètres ben, de nominatif chauffage, hein, 26-34, 40-49. Mais bon, dans la façon dont il fait ses traçages, d'ailleurs 24 génératrices sur du 26-34, c'est énorme. Quoi. Donc voilà, mais par contre, nous on peut très bien s'adapter à nos tuyaux en DN50, 80, DN200, DN500, même 1000, enfin tout. Hein. Là, c'est juste sans préfa radio, les préfas qu'il fait, mais c'est une bonne base pour ensuite continuer à faire des bonnes préfas. Moi, je dis que c'est un bon bouquin. Donc voilà, il m'a été offert. J'avais promis de faire une petite vidéo sur son bouquin. Alors je dis toujours, si on m'offre un truc et que ça me plaît, ben voilà, je fais toujours une petite vidéo de remerciement. Par contre, si c'est pas bien comme article, et ça m'est déjà arrivé, bon ben je ferai rien, je ferai pas de pub. Donc voilà quoi, pour le petit bouquin. Donc voilà, revenons à notre traçage prévu aujourd'hui, hein, donc un droit de même diamètre, en diamètre DN100, diamètre 114. Vous avez vu à quoi ça ressemble, et ben on va repartir d'une page vierge. Donc vous verrez, on va pas faire le même traçage qu'on a vu tout à l'heure, juste maintenant là, en fait, comme on va dessiner que le pénétrant, c'est-à-dire la gueule de loup, le traçage en fait il est très très simple, puisqu'on va pas faire de gabarit pour le pénétrer. Là, ben voilà, direct, on ne s'embête pas, on trace déjà un axe, hein. C'est la base, hein. Voilà, et puis là, ben voilà, je vais mettre une équerre, hein, ça va très bien, hein, un petit peu perpendiculaire, hein. Donc là, pareil, en fait, je tire un axe, hein. Donc ça va être l'axe de notre pick-up, en fait, on va passer le tube. Mais bon, vous allez voir, en fait, on va dessiner le tube en transversal pour faire des faces, que ce soit pour le piquage ou que ce soit pour le tube. Donc voilà, on sait qu'on est en DN100, donc diamètre 114, si je divise 114 par 2, je vais trouver 57, ça c'est le demi-diamètre, donc par rapport à l'axe. Donc là je vais tirer deux perpendiculaires, donc je fais deux petits arcs de cercle sans changer l'écartement de mon compas. D'ailleurs vous remarquerez que le compas ne va plus changer son rayon,
Donc là, ben voilà, je m'aligne bien à l'extérieur de l'arc, à l'arc du compas du cercle. Là, je fais la même chose. Ça va très vite. Hein. Bon, après, comme je dis, je vais m'expliquer, ça prend plus de temps. Et puis là, bon, ben là, je vais tirer une perpendiculaire, hein, c'est-à-dire le bout de mon piquage. Hein. Donc, l'équerre, ça va très bien. Là, en plus, c'est du petit diamètre, hein, bien de sang. Donc voilà, si on regarde bien, on a déjà notre piquage. Hein, notre gueule de loup, hein, et là, notre piquage. Donc maintenant, on a dit qu'on allait bosser avec 12 génératrices. Hein, donc ben, je reprends mon compas, vous voyez, c'est le même écartement. Je change rien et puis je vais tracer mon cercle, mon piquage. Donc en bas, c'est le cercle du tube, et puis en haut, là, ce que je suis en train de tracer, c'est le cercle du piquage. Hein. Voilà, là, en fait, si on regarde, j'ai 4 génératrices. Hein. Et puis, donc, comme on a dit qu'on allait bosser avec 12 génératrices, hein, donc, ben, vous connaissez, souvent expliqué, hein, donc on a déjà 4 génératrices. Hein. On garde le même écartement, on va se mettre sur le même rayon. Je vais me mettre sur la première génératrice. Pour ça, je l'explique à chaque fois, hein, un coup à droite, un coup à gauche. Sur la deuxième repère, un coup à droite, un coup à gauche. Ça, puis on va ensuite numéroter de 1 à 12. Hein. Voilà. Donc à partir de là, ben voilà, on a nos repères de génératrice. Hein. Donc là, ben, je vais m'aligner sur les deux repères opposés et tirer une parallèle. Voilà. Une génératrice, pardon. Je reprends les deux autres repères. Je m'aligne bien, je reste parallèle. Donc, je tire une génératrice. Là, c'est là que c'est déjà fait. Ok. Voilà, je tire mes dernières génératrices là. C'est pareil, vous avez compris le système. Hein. Voilà. On progresse bien. Ça pique. Voilà. Donc, bon, ben voilà, mes génératrices sont tracées. On est quand même un petit peu fluo là pour bien voir. Ben voilà, en fait, pour faire presque notre gabarit. Maintenant, il va falloir mesurer toutes ces génératrices, hein, de 1 à 12, hein, donc je vais les noter. Hein, voilà. Et donc, je vais prendre la opérée par rapport à ce trait-là. Et ensuite, je vais mesurer de là jusque là. Après, je vais mesurer toutes les génératrices de là. Après, je vais mesurer jusque là. En fait, je vais mesurer toutes les longueurs de génératrices, hein, qui sont numérotées. Ces mesures, on va les reporter devant leur numéro. Donc si je prends la génératrice 1, ben voilà, je vais mesurer la génératrice de 1 jusqu'en bas. Donc, je vais trouver 101. Et donc là, ben voilà, j'écris la cote et je m'aperçois que c'est la même cote, c'est la même mesure que la 7. Génératrice 1 et 7 sont les mêmes, donc je peux tout de suite aussi reporter les 101 sur la 7. La génératrice numéro 5. Donc ben là voilà, je prends la 1, la 2, pardon, je vais mesurer de là à là, et là je vais trouver 109 mesure, et je vois que ça marche, c'est la même cote que la 6, donc la 6 aussi je vais y mettre 109. Donc là maintenant, la troisième génératrice. Vous avez compris, il n'y a plus qu'à mesurer toutes les génératrices qui sont numérotées de 1 à 12, et devant leur numéro, je vais mettre leur mesure. Voilà, ça c'est les dernières génératrices. Hein. Là, si on regarde bien, il faut bien mesurer, il suffit de regarder, parce que c'est les mêmes de l'autre côté. Parce que c'est symétrique, hein, puisqu'on est en droit. Là, j'ai toutes mes côtes.
Voilà à peu près, ben voilà ce que ça donne. Donc vous voyez la différence entre le premier exemple. Hein, si on ne fait pas de pénétrer, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire tout ça. Il suffit de faire ce traçage-là et ça suffira largement. Donc voilà la différence des deux plans. Et puis maintenant, ben voilà, avec justement toutes ces mesures, on pourra faire un gabarit. Et puis ça, par contre, ça sera une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, salut les métalleux. Ciao, ciao.